Niha, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine une lampe torche LED pour la police d'intervention chinoise, mes petits gars. Ouais, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et je vous explique tout ça après le générique. Et pan geek. Aujourd'hui on va tester un truc super cool, un truc simple mais pourtant un truc super cool. En fait, si vous avez vu un peu nos vidéos quand on avait été au salon du high-tech, on avait trouvé un stand où ils vendaient plein de trucs. En fait, ils vendaient des tasers, ils vendaient des gants tasers, c'est-à-dire des gants, quand vous accrochez ici, il y avait une pile, ça vous électrocutait. Alors vous êtes nombreux à nous avoir demandé ces gants, mais le problème c'est que si on vous proposait ces gants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir l'essayer, donc vous allez vous en prendre au chien. Pas drôle, pauvre bête. Ensuite, vous allez en prendre à votre voisin. Bon, lui, il peut vouloir. Puis après, vous allez en prendre aux gens. Puis après, les gens, ils vont vous en acheter. Puis après, vous allez les amener entre eux. Puis après, ça va dégénérer. Donc, on a décidé de pas vous proposer ces gants, ni les sacs s'électrocutent, ni... Qu'est-ce qu'on avait? On avait aussi une veste comme ça, quand on vous touche, on s'électrocute. Si vous n'allez pas aller regarder nos vidéos dans le salon du high-tech, c'était quand même plutôt sympa. Mais on a quand même réussi à trouver un truc qu'ils ont réussi à nous vendre. Les lunettes, elles sont déjà... Enfin, tous les petits accessoires espions qu'on avait, on les a déjà sur l'Adestock Boutique ou adb.fr. Mais on a réussi à trouver une lampe torche LED. Et vous allez voir, il faut que vous voyez. Donc comme d'habitude, il y a une partie qui va me regarder ici pour voir moi, un peu l'animal. Et une partie qui va me regarder dans la petite caméra, ici. Voilà, qui nous permettra de voir un peu mieux la lampe torche LED. Donc, comment elle se présente? Eh bien, c'est une lampe torche ici. Voilà, avec une LED, hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il y a une grosse LED et tout au milieu. Et puis, les petits détails qui vont faire que cette lampe est quand même beaucoup plus cool que les autres. Un, le logo police ici. Tadam. Ah, je sens qu'une partie là, ils se voient déjà avec leur lampe torche police. Ah, je veux dire, on est chien addict ou on l'est pas. Après, c'est une lampe torche LED, certainement, mais c'est une lampe torche LED qui est très chien addict, très chinoise. Ensuite, il y aura marqué police ici. Tadam. Et en chinois, ici. Et là, il y aura l'inscription lampe torche LED. Voilà. Je veux dire, là, vous avez fait la moitié du boulot. Alors, ici, ça se dévisse ou pas. Ouais, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc là, on a une batterie rechargeable, ici, donc là, c'est plutôt pas mal. Ça vous évitera de vous faire chier avec les piles. De toute façon, vous en avez jamais, elles sont toujours vides. Et puis, au moins, vous prendrez pas celle de la télécommande. Ça, c'est du vécu. Vous aurez un petit chargeur, ici, un petit chargeur français, qui vous permettra de recharger la lampe, ici. Voilà, il y a un petit cache, là. Voilà, on pourra charger votre lampe. Et là, ça serait plutôt sympa. Oh, une petite dragonne, hein, qui casse pas des briques, mais qui permettra de faire le travail. Ici, et là, en fait, le réglage qui vous permet d'accéder au mode. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, on va se mettre là un petit peu avec la lumière. Donc là, il y a le dîner, donc ça permettra de changer les modes. Donc, par exemple, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette jolie lampe torche LED? Alors, je vais vous mettre plutôt, voilà, on va se mettre là comme ça. Voilà, vous voyez bien, là. Voilà. Donc là, on voit bien, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, vous, avec la caméra, en théorie, oui. On voit bien qu'elle est carrée, correspond un petit peu à la forme de la LED. Ici, donc quand vous allez tourner un peu, vous allez pouvoir changer un peu le focus. Ou le focal, ou le point rond, par exemple. Ici, voilà, on change un petit peu, tac, on réduit, et on part dans l'autre sens, voilà, pour arriver à, voyez, à avoir un gros faisceau. Ouais, en plus j'en connais, hein, qui aime bien avoir un gros faisceau. De la LED. Voilà, donc on se met comme ça, et là, c'est plutôt sympa, et plutôt intéressant. Alors ensuite, donc comment ça se passe ici? Quand on appuie, ça s'éteint. Quand on appuie deux fois, alors quand on appuie ici, voilà, on appuie deux fois, on se met en mode FBI, ici. Alors, nous, on a demandé à quoi ça servait. En fait, c'est pour aveugler les gens. Donc, préparez-vous, je vais vous aveugler. Voilà, donc, voilà, ici, attendez, on va se mettre bien en face. Voilà, là, c'est bon, vous en avez... Voilà, maintenant, hop, c'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà, donc c'est le mode pour aveugler les gens, parce qu'apparemment, il y a un mode ici, ça se met sur un point, et on vous le met dans l'œil, et ça permet d'éventuellement de paralyser un peu l'agresseur qui vous dit non, non, oh, non, non, ou éventuellement, comme toute bonne petite vieille, de le taper à coup de torche, mais vous avouerez qu'elle est quand même un petit peu petite. Donc nous, qu'est-ce qu'on aurait aimé? Ben, le fait que ça soit une lampe torche LED, vous voyez. Donc il y a une LED dedans, qui est une LED carrée comme on a vu, avec une loupe ici. La forme est assez sympa, alors je sais pas, peut-être qu'on peut démonter les pneus avec, les roues, mais c'est plutôt bien. Je pense que si vous apportez... Oh, putain, ça peut faire mal ça en fait. Ouais, j'en ai en appuyant fort, ouais, vous pouvez vous faire du mal. Donc c'est une lampe torche LED, simplement, hein, elle est des plus classiques. Elle est rechargeable, ça c'est plutôt pas mal. Elle est... vous allez pouvoir régler le focus ici, comme on a vu. Voilà, donc le maximum, on règle.
Waouh, trop bien! En plus, ça éclaire plutôt bien, hein. Elle est plutôt violente. Nous, on a fait des essais, on éclaire plutôt bien. Donc, elle est batterie. Bon, vous avez la fonction, la fonction FBI ici. Hop là, attendez, ici, il faut appuyer deux fois. Voilà, c'est ça. En fait, il faut la mettre en route et appuyer deux fois. Si vous faites ça complètement dans le désordre, ça ne marche pas. Ici. Donc ça permet de paralyser votre agresseur, de la recharger, et en plus, bah voilà, le petit détail qui, en fait, il y en a la moitié, ils vont rien à foutre, une lampe torche à la con. Oui, et il y en a l'autre partie qui vont dire, ouais, attendez, c'est la lampe torche de la police d'intervention chinoise. T'as ça, plein de petits mecs qui arrivent et qui font comme ça. Ah ouais, mais là, c'est comme les fourmis, hein. Si on mettait un millier comme ça avec une torche, il y a moyen de vous marave. D'ailleurs, ça sera très bien pour l'opération en maravie. Bon, coup de lampe torche. Donc voilà, c'est une lampe plutôt rigolo. Qu'est-ce qu'on retra? Rien. Écoutez, en même temps, c'est qu'une lampe torche. Ça permet de faire LED. Elle est assez rigolote. Voilà, il y aura marqué police en chinois. Et je pense que si vous aussi vous êtes chanadique, vous allez vachement voir l'intérêt de cette lampe en vous disant, ah ouais, mais elle est marquée en chinois. Et ça, dans votre boîte à gants, ça prouvera vraiment que vous êtes un chanadique. Donc voilà, mes petits geeks. Qu'est-ce qu'on a oublié? Le prix! Le prix, bien sûr, mes petits gars, 9,90 €. La lampe torche, la batterie au lithium, le chargeur, pas de mode d'emploi. Pas de mode d'emploi en chinois pour vous expliquer qu'il faut appuyer ici et qu'il faut tourner la bague et que quand vous allez appuyer deux fois, voilà, ça va clignoter. Ouais, je le fais bien. Hein. Ah, pas mal, je pourrais travailler au FBI de Chine. Les Chinois du FBI, vous vous rappelez, dans les guignols? La classe. Donc voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, on vous rappelle que cette lampe torche aura gagné si jamais par miracle, miracle miraculeux, on arrivait à dépasser les 300 commentaires. On ne désespère pas, on va le faire à chaque fois. Donc comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo, ce que vous voulez. C'est bien, c'est pas bien, vous kiffez, trop génial, FBI, police, malin, les jeux de mots, les trucs. Et comme ça, quand on aura atteint les 300, il y en aura un d'entre vous qui gagnera cette lampe LED. Et le R de pouce vert, même s'il est bleu, vous laissez un pouce vert pour nous soutenir et nous encourager. Voilà mes geeks, c'est tout pour aujourd'hui. On est un peu vachement à la bourre aujourd'hui. On va tester le nouveau truc pour demain. Voilà, on va tester juste après. Et moi je vous dis demain pour un tour JT du JT Geek. Ouais, un JT du JT Geek, c'est ça, avec un truc bien. Là, franchement, là, vous avez un truc bien. Et un truc cher, en plus. Hein. C'est un kiffé. Et voilà. Et après demain, qu'est-ce qu'on a après demain? Après demain, on a un truc bien aussi. Ah, faut qu'on teste un smartphone aussi. Et après demain, faut qu'on... Ouais, vous allez voir. La semaine sera chargée. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme dirait Michana, joyeux Noël. Allez, paix et prospérité. À demain. Bye bye.